Là, Amy ouvre les yeux. Elle est couchée sur un lit d'hôpital dans l'unité des soins intensifs. Des fils et des capteurs sont attachés à son corps et un masque à oxygène est posé sur son visage. Amy ouvre les yeux et pour la première fois de sa vie, elle se sent vivante. Là, Monica ouvre les yeux, elle est de retour. Monica est allongée sur le sol d'un hôtel minable à Harlem. Des larmes coulent sur ses joues, elle a la nausée, sa tête éclate tant elle a mal, mais elle est heureuse. Pour la première fois depuis beaucoup, beaucoup d'années, elle se sent heureuse. « Je pense que je suis en vie », murmure Monica et elle pleure. « Je pense que je suis en vie », murmure Monica et elle sourit. « Je suis vivante », murmure Monica et elle pleure. « Je suis vivante », murmure Monica et elle sourit. « Je suis vivante », murmure Monica et elle pleure. « Je suis vivante », murmure Monica et elle sourit. « Je suis vivante », murmure Monica. Et dans une vieille forêt pleine d'arbres sombres et puissants, une volée d'oiseaux noirs éclate dans le ciel et se dirige vers la lune. Leur sombre silhouette glisse sur la voûte céleste, éclairée par la lumière lunaire argentée. Le premier oiseau atteint la lune et devient aussi argenté que la lune elle-même. Le deuxième oiseau atteint la lune et devient aussi argenté. Le dernier oiseau atteint la lune et devient... Soudain, Monica grandit. Elle sent que ça vient juste d'arriver. Monica a 30 ans. Et maintenant, elle atteint la lune et devient aussi argentée que la lune elle-même. Là, Charlie se dirige vers Berlin Ouest. Il est assis sur la banquette arrière du taxi et regarde par la fenêtre. Berlin. Charlie essaie de comprendre en quoi Berlin est différent de New York. Et il voit bien que c'est différent. Mais en quoi? Et là, Charlie réalise que la différence se trouve en lui-même. Est-ce que tu connais Monica, Christophe? Non, c'est qui? Tu dois l'appeler. Mais c'est qui? Tu verras bien quand tu l'appelleras. Et comment l'appeler? +1 917 793 4321, c'est son numéro. Et pour lui dire quoi? Dis-lui que maintenant vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. Mais c'est qui, Monica? C'est la femme qui pourra extirper le serpent noir de toi. Là, Monica se rend à la banque pour débloquer son compte et obtenir une carte provisoire. Là, Charlie est en train de déjeuner dans le restaurant de poissons à Berlin-Ouest. Il se sent de mieux en mieux, comme s'il avait enfin trouvé ce qui lui manquait. De l'air. Là, Monica quitte la banque. Elle a maintenant une nouvelle carte avec 10 000 dollars dessus et ce fric ne craint rien. En tout cas, rien du méchant Charlie. Là, Charlie sort du restaurant. Il a la pêche et à peu près 3 000 dollars dans la poche de sa veste. Alors, d'abord, de l'alcool et de la drogue et bien sûr, du sexe. Du sexe. Voilà ce que Charlie décide. Là, Christophe se réveille au comptoir du bar. Il va aux toilettes. Il regarde le mur en carrelage blanc en face de lui. Soudain, une série de chiffres apparaît dans son esprit. +1 917 793 4321. J'ai une mémoire épouvantable. Comment est-ce que je me souviens de ces chiffres? Se demande Christophe. Il n'y avait pas aussi le nom d'une femme? Monica. Ah oui, Monica. Là, Monica se rend à l'aéroport. Elle a déjà acheté en ligne un billet pour Berlin. Elle ne sait pas exactement elle-même pourquoi Berlin. Parce que c'est ça le mouvement, Monica. Tout bouge dans cet univers, rien ne reste en place. Et à ce moment-là, le téléphone de Monica se met à sonner. Bonjour. C'est Monica? Là, Monica entre dans l'aéroport et se dirige vers le comptoir d'enregistrement. Elle est au téléphone. Oui, c'est Monica, bonjour. Je m'appelle Christophe. Pour être honnête, je sais pas vraiment pourquoi je vous appelle. Et vous êtes? Comme je vous le disais, je m'appelle Christophe et je vous appelle parce que... Je sais pas pourquoi je vous appelle. Peut-être que nous pourrions nous rencontrer et parler, même si en fait... Je suis en train de quitter New York. Pourquoi devrait-on se rencontrer?
En fait, il se trouve que je suis aussi en train de quitter New York. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Ne pensez surtout pas que je suis fou, mais une sorte de voix dans ma tête m'a donné votre numéro de téléphone. C'est arrivé en rêve. C'est comme si c'était l'univers qui me parlait. Vous comprenez ? Mon Dieu, j'imagine ce que vous êtes en train de penser de moi. Attendez. En fait, je suis prête à vous rencontrer. Sérieusement ? Le problème, c'est que je suis sur le point de quitter New York. Ah bah, moi aussi, je suis sur le point de quitter New York. Je suis déjà à l'aéroport. Ah bah, moi aussi, je suis déjà à l'aéroport, Monica. Attendez, à quel aéroport êtes-vous, Monica ? JFK. Et vous allez où, Monica ? À Berlin. Le vol 2819 ? Oui. Monica, il y a un serpent noir qui vit en moi et vous seul êtes capable de l'extirper de moi. Vous comprenez ? Là, Charlie est assis sur le lit dans sa chambre d'hôtel, son slip baissé. Devant lui, une prostituée à genoux, elle lui taille une pipe. À côté de lui, sur la table de nuit, se trouvent des bouteilles de whisky, de martini et bien sûr de la coke. Les parents de Monica, Wrocław, doivent sans doute sentir quelque chose de très spécial aujourd'hui parce que pendant presque toute la journée, presque à chaque heure, Charlie s'est adressé à eux en pensée pour les remercier. Là, Christophe et Monica sont assis l'un à côté de l'autre dans l'avion. Et alors, New York, c'était comment ? À la droite de Monica se trouve une jeune fille qui écoute très attentivement leur conversation. Franchement, ça craignait vraiment. Bon, au début, c'était super avec des restaurants vegan. Ouais, je suis vegan. Et puis de très belles femmes. Et puis tout à coup, je me suis retrouvé en enfer. Mais je vais pas te raconter tout dans les détails, ok ? Ok. Et maintenant, ça va ? Franchement, pas trop, là. Et qu'est-ce qui te manque ? Ce qui me manque, c'est le plaisir. Je manque du vrai. Du véritable plaisir, de la satisfaction totale. Et là, la fille assise à la droite de Monica intervient soudain dans leur conversation. Je sais exactement de quoi vous parlez. Exactement de quoi vous parlez. C'est comme si on vivait tous dans un sac en plastique. Pardon d'intervenir dans votre conversation. Je m'appelle Jana, je suis de Russie. Sans le faire exprès, j'ai entendu ce que vous disiez. Et c'est précisément ce à quoi je pense tout le temps. Apparemment, je vis, je mange, je bois, je baise, mais quelque part, au fond de moi, je vois clairement que tout ça, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je veux tout le temps plus, et encore plus, et toujours plus. Et si tu essayais de t'autoriser ? Dis Monica à Christophe. M'autoriser quoi ? Christophe ne comprend pas encore. Tout. Vraiment, tout. Tout ce que tu veux, oui, tu dois t'autoriser. Tout ce que tu veux, tout ce que tu réprimes en toi. Autoriser que l'acte conçu se réalise. Laisse tout aller. Tout, absolument tout. Mais il faut se contrôler quand même. On ne peut pas se permettre absolument tout. Parce que Dieu ne nous le permet pas. Qui nous a dit ça ? Dieu. Dieu nous a dit ça ? Quand ? Quand il nous a donné ses commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Je peux tuer, mais je ne tue pas. Je peux voler, mais je ne vole pas. Voilà le vrai commandement d'un être libre. Et Dieu n'a jamais dit à quiconque ce qu'il doit faire. L'homme a inventé ça par peur de lui-même. Dieu, c'est l'impulsion. Je ressens mon lien avec l'impulsion, mais je fais seulement ce qu'il faut. Je m'autorise tout, mais je fais ce qu'il faut. Voilà le principe fondamental de l'univers. Je m'autorise tout. J'ai le droit sur tout. Je ressens l'impulsion et je fais ce qu'il faut. Je sens pas l'impulsion. J'ai un serpent noir sur le chemin qui me bloque l'accès à quelque chose. À ce qu'il y a de plus important en moi. Laisse-le aller alors. Parce que c'est moi qui le retiens. Qui d'autre ? C'est moi qui le retiens ? C'est nous-mêmes qui retenons tout. Bien sûr, mais c'est moi ! C'est moi. Je retiens tout en moi ! Et je n'arrive pas à le laisser aller. Faisons une petite sieste. Je suis fatiguée, dit Monica, et elle ferme les yeux. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir rendue vivante, dit Monica au coin bleu. Salut à toi, mon serpent noir. Laisse-moi te regarder.
Et là, Christophe dort, il rêve de son serpent noir. Pour la première fois de sa vie, il se rencontre face à face.